fait. Yeah. Salut. Profiste. Eh, hey, attention, moi je suis en train de crever depuis 30 ans. Ouais, moi j'ai toute ma vie. Ouais, moi ça fait super longtemps que je suis en train de nous préparer le monde. Où on va jouer avec des trucs magiques, des trucs technologiques, mais pas trop. Ouais, moi je connais la moitié de ce qu'il y a dedans, parce que la plupart des modes sont en nouvelle version, donc je vais rien ouais, connaître. Ils sont en nouvelle version et ils changent et la moitié, je connais pas mal. Parce que du Forestry que tu connaissais, disons, il y a c'est longtemps. Franchement pas pareil du tout. Les recettes sont devenues beaucoup moins faciles à faire. Après, là, il y a un truc qu'on voit sur mon écran en haut, si tu veux venir voir ici. Alors attendez, par contre, deux secondes, faut juste truc, que je règle le son. Hop là, jeu. Là, il y a un truc trop cool qui est une ruche. Et on va pouvoir faire plein de trucs avec des abeilles. C'est, où ça là, hop, monte la petite colline. Yeah. Et là, on est vraiment dans le type de biome que j'adore, l'Extreme Hills. Ouais, et l'Extreme Forest Hills. Oh yeah, une ruche avec des abeilles. Ouais, et ça, dès qu'on va avoir des moutons, on va pouvoir récupérer des abeilles et faire des trucs de fou avec des abeilles. Et je sais pas si on a des turtles. Apparemment, non. Donc, on n'aurait pas Computer Craft. On n'a malheureusement pas Computer Craft. On pourra pas faire des trucs de fou avec des turtles. Mais c'est pas grave. Alors, moi, je regarde la liste des crafts. Je vous montre comme ça aussi. Ouais, moi aussi, je suis en train de le faire. Il y en a pas mal. Ah, cool, il y a les Energy Cells. Ça c'est vraiment cool. Et du coup, bah, on va sûrement faire un peu de forestry, beaucoup de Tomcraft, sûrement pas mal de Misscraft. Yeah. Je pense qu'on va faire aussi du Railcraft et forcément du Billcraft. Et en fait, en ayant dit ça, si on fait un peu de Steve's Cart, bah, ça fait qu'on a fait tous les modes qu'il y a dedans, quoi. En fait. Là, j'ai préparé une ligne d'arbres. Ouais, c'est ça, je vois ça, ça c'est ouais. C'est ma méthode à faire du bois rapide. Je crée une ligne d'arbres et après je les défonce tous d'un coup. Et c'est cool quand il n'y a pas de grand arbre comme ça. Et du coup, j'ai préparé un mini toddy dans la roche qui va devenir une super maison. Oups, pardon. Constellée de petits cubes de 9 par 9, ça c'est un placard. Alors faut juste que je mette Skype en occupé, ici. Désolé. Ici. Puis ici aussi, et là il y a un petit truc qui descend avec des trucs qui sont pas faits et un truc qui descend vers une mine où il va falloir qu'on récupère quelques ressources. Et après, vu qu'on a Misscraft, on va pas miner dans ce monde là parce que c'est moche de faire des quarries avec des gros trous. Donc on va faire un monde à côté, on va faire des quarries avec des gros trous. Je pense qu'on va se cheat le notebook. Pour créer les mondes Misscraft, mais on en reparlera un peu après. T'as pris une épée, c'est cool. Pourquoi on va se cheat? Parce que sinon, ça va être un processus très, 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 très long. Okay. On peut aussi le faire normal. En mode semi-cheaté, il n'y a pas un moyen de générer d'IMC ou un truc à la con et, Non, parce qu'il n'y a pas tous ces modes-là yes. dedans. Enfin, on verra bien. On l'a d'ailleurs... Il n'y a pas Equivalent Exchange. Ah dessus. Non, d'accord, ok. Et la nouvelle version d'Equivalent Exchange est... est chère, tu m'as dit. Très, très, très chère. Et surtout, il n'y a pas moyen de créer de l'IMC comme, comme dans les autres versions où on fait une fleur et pognon. Alors. Et donc là, moi, je propose qu'on fasse tout de suite une petite ellipse pour aller miner, pour avoir les ressources pour commencer, parce que pour le moment, on a de la cobblestone que j'ai extraite. Deux pauvres trucs de fer, et ouais. Voilà. Ok. Et ça, si on a l'air shard avant d'aller miner, je vais aller montrer, viens voir donc le. Et on a tous les deux notre cap. On a l'air tout à fait con. Ah, complètement, surtout moi, ça jure parfaitement avec ma combinaison. Ouais. Ah, moi ça va encore un petit peu. Toi, ça va à peu près. Je change le bleu de mon pantalon et ça serait nickel. Ouais. Effectivement. Ouais, c'est juste horrible. Ah, tiens, je vais jouer avec ça pour le prochain skin que je ferai. Et puis là, on a ici le super or d'Azenor et de Somcraft. Qui est super joli et quand on tape dessus, ça fait des espèces de petits trucs qui flottent. Ah oui! Ça, c'est Somcraft, ça. Oh vas-y, yeah. Pète-le. Attends. Et pouf, ça fait des petits cristaux d'air. Shard. Et donc, ça, on va en chercher plein parce qu'on va en avoir besoin de plein.
Alors moi je connais pas du tout, donc je vais te suivre et on va C'est miner. ça. Bah là, tout de Une suite, on ellipse. va, ouais, on va faire une grosse ellipse, on va miner, on va récolter plein de ressources. Et après, Et on on peut. va commencer un peu. Et on va aller chercher des vaches aussi pour faire du Mistcraft. Mais on se retrouve juste après ça. Et d'autres choses un peu sexuelles. Ouais, mais ça c'est juste entre nous. Tout de suite. Et après un peu de minage et d'animotage, on se Et retrouve tout. pour les premiers crafts. Ouais, et on a fait une espèce de. Ouais, c'est tout moche de dirt parce qu'on a fait une ligne comme ça là, hop, qui monte l'escalier, bim bim, et qui va jusqu'à dehors pour faire arriver l'herbe. Sinon, Autoroute à herbe. nos moutons, ils vont rester tout nus Tout le un temps. sacré paquet de temps. Ah, quoique non, en fait, parce que le petit, quand il va grandir avec de la laine. Et on peut refaire. Si on est obligé de les reproduire pour avoir de la laine à chaque fois, ça va commencer à être long. Ouais, mais c'est fun. C'est fun, effectivement. Hop là. Et Bon. du coup, nous, on va commencer par faire nos premiers crafts. Ouais, on va montrer le contenu des coffres. On a miné comme Ouais, des on a plein brutes. de trucs. Et on a aussi du clay, parce que c'est important, le clay. Pour. Mais pour la prochaine fois, je pense. C'est ça. Ça, vous verrez pas ça aujourd'hui. C'est pour Aujourd'hui, on va craft. faire du forestry et du somecraft. On commence par quoi? Plutôt par le forestry, non? On va automatiser nos productions un peu. Alors, il faut qu'on Histoire de. fasse une ferme. Il faut qu'on fasse ça. Alors moi je prépare. Alors on avait l'idée de faire ça en. Sur la mer. On va courir la mer avec un polder. Mais c'est pas Normal. grave, ça va être rigolo. Voilà. Ouais, je vais faire du sable en fait parce qu'on va avoir besoin de sable. Du verre. Je suis en Ouais, train parce de que je me dire disais, qu'on va avoir. tu fais du sable. Non. Il te faut un polder de combien de large? Bah de pas grand-chose en fait puisque je propose qu'on fasse un petit pont vers l'extérieur et qu'on laisse la machine faire son propre polder. Ah, c'est pas con, en fait. Parce que ouais, mais là on va en avoir besoin quand même d'un petit polder ici à un moment ou un autre, je pense. Au moins Bah. pour le. Pour ce qu'on va avoir besoin avec le clay. La clay. J'essaye de faire un truc qui suit le contour. Que ça fasse pas du gros Bah moi je vais moche. commencer à faire la première machine. Et pour faire les Electron Tubes, il faut qu'on fasse un Thermionic Fabricator. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est un Thermionic Fabricator. Alors pour ça, il faut du sturdy casing, donc c'est du bronze, et le bronze, c'est du tin et du copper. Et par un gros coup de bol, il y a du tin et du copper qui ont été cuits. Franchement, on se demande pourquoi. Non, Là. cette série n'est pas préparée. Jamais. Là, on est en train de faire croire qu'on a préparé les choses. C'est ça, on n'est pas des gens comme ça, nous. On est Alors que c'est vraiment. totalement à l'arrache. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Et que vous vous mettiez dans le crâne et que vous vous habituez à. Parce qu'on fasse tout à l'arrache, parce qu'on fait tout à l'arrache. Parce que quand on essaye de préparer, de toute façon, ça fail. C'est ça. Le Thermionic Fabricator, et là, c'est pour les gens qui ne le savent pas, sur NEA, il y a le petit bouton point d'interrogation qui est trop cool et qui met en surimpression dans la crafting table ce qu'il faut. C'est vraiment sympa comme bouton. Oh yeah. Donc il me faut un coffre Attends, et parce que moi je regarde du coup ce que du t'es en train verre. de faire. Parce que Ouais, je mais c'est connais pas une pas non project plus. table, donc en fait. Non, dans les Et crafts, on peut pas faire comment? de project table en plus. C'est le Mais. Thermionic Fabricator. TR. Ther et Mionic Fabricator. Ok. Donc moi je regarde ici. Ok, Donc. qui est cool d'ailleurs comme Hop. texture. D'accord, une sturdy casing. Ah, ça a Hop. changé de nom, ça. Et C'était hop, j'ai un sturdy machine. Thermionic Fabricator. Et il faut que je fasse du coup un Stirling Engine. Sterling, alors Pour le Sterling. poweriser, donc il faut que je fasse un piston, des wooden cogs, J'ai pas de la dû. cobblestone, donc un piston. Et puis c'est bien parce que maintenant je commence à me rappeler du craft du piston parce que en ce moment j'en fais mais Ah, un nombre. il y en a un paquet des moteurs maintenant. Ouais, c'est ça qui est sympa. Et tous les moteurs à vapeur sont utilisés avec comment ça s'appelle Railcraft.
Et ça va être notre plus ou moins à terme, c'est-à-dire un peu plus tard, ce sera notre vraie source de puissance, Railcraft. Oh yeah, on va faire de la puissance avec des Railcraft. Ah bah là, ça va être impressionnant. Tu peux regarder le boiler. Alors, ton boiler. Ça va être un peu Boiler. impressionnant. Low pressure ou high pressure? On fera du low pressure, je pense. C'est juste deux iron plates, mais on peut le faire maintenant. Non. Regarde comment on fait une iron plate. Bah, il faut juste du fer. Non, il faut une machine spéciale qu'on n'a Une pas. rolling machine. C'est ça. Et qu'on va un peu lutter à faire quand on va la faire, mais. Donc j'ai fait mon Stirling Engine. Ouais, moi je suis en train de récupérer un peu de dirt parce qu'on en a plus. Voilà, bah, on en a encore un petit peu dans un coffre, je crois. T'es sûr? Parce que j'ai tout pris pour faire les animaux. Effectivement, on en a plus dans un coffre. Par extension, on n'en a plus dans aucun coffre. C'est ça. Du coup, moi, il me faut un peu de coal. Et du coup, il me faut du bronze, du verre et de la redstone. Donc, je propose que ça soit là où on dort, parce qu'il y a un petit placard. Et donc, qu'on fasse cette pièce-là dédiée au Bazaar Forestry. Hop. Donc, du coup, le Thermionic Fabricator, c'est assez cool. Et ça fait des tubes. Et ça, c'est le truc que je suis en train de montrer sur le board. C'est NEI qui le rajoute. Donc, le Thermionic Fabricator, on met du verre ici. Et le verre va fondre pour enrober les machins. Donc, du coup, pour la ferme, Et du coup, notre petit pont. il faut du bronze électronium. Donc, c'est du bronze ingot et redstone, redstone. Donc, c'est ça. Bronze ingot, redstone, redstone. Ok. Et après, pour le fin, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Non, il faut juste que farm. Ou alors, il faut un autre truc. Je ne sais plus. Je crois qu'il faut juste que que farm. Parce que non, c'est Arboretum où il faut le logger derrière, mais je crois que ça a été supprimé de cette version. Non, ça n'a pas été supprimé de cette version du tout. Donc, du coup, pour faire la ferme, il faut deux trucs. Je me rappelle plus ce que c'est. T'es où? En Je dessous? suis en bas, pas le grand escalier, tu vas tout droit et tu vas tomber sur une salle où j'ai posé une machine. D'accord. Je suis en train de chercher. Ah, c'est ça. Il faut le harvester, le combine. Infernal Harvester sur Gakanem. Fabricator. Il faut un harvester et il faut du Iron Electron Tube. Donc il va me falloir du fer aussi. Est-ce que j'ai du fer sur moi? J'ai du fer sur moi. Et donc là, je mets du charbon ici. J'allume le moteur. Et on va voir la barre qui va monter à côté du. Et là, on voit rien parce que là, on voit rien. Il faut que je cherche un truc. Hop! Un Minecraft Joule par tick. Et je sens qu'en fait, mon moteur est pas assez puissant pour ce que je veux faire. C'est Ça, quoi je le. le Stirnjain, il consomme quoi? Du charbon. Ah, donc c'est l'équivalent de l'ancien Steam Engine. C'est ça. Fuck, s'il est pas assez puissant. Mais je crois qu'il faut qu'il chauffe en fait. Et c'est ça le problème, ça nous coûtait une blinde en charbon. Du coup, Allons-y. on va. J'en ai mis 18. Ok. Merde. Mais il faut pas l'arrêter par contre. Ouais, c'est ça le truc. Du coup, ça serait bien qu'il chauffe un petit peu. Parce que là, ça fait pas fondre mon verre. Du coup, je me rappelle, il doit y avoir une. Attends, du coup. Est-ce que je peux pas regarder l'électron tube, le copper electron tube? Il me dit pas combien il faut comme Minecraft Joule dans le Thermionic Fabricator pour qu'il se mette à Thermionic fabriquer. Que un Minecraft Joule par tick. Pourtant, il me semblait que ce moteur-là, il sortait du 4 Minecraft Joule par tick. Après, il faut du combustion engine et le combustion, autant dire qu'on peut pas franchement le faire, quoi.
Est-ce que après, ou alors il faut du Pit Engine, mais c'est pareil, ça va pas le faire. Donc ça veut dire qu'on peut pas faire de forestry. Mais si, puisque. Enfin... Alors pourquoi ça fait ça? Pourtant, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'endroit. On fait bien rentrer la puissance par le bon endroit. Je suis pas sûr qu'il y ait un endroit pour faire rentrer la puissance dans le thermionique fabricator. Pas sûr non plus. Et c'est toi le owner d'ailleurs. Oui, parce que c'est moi qui l'ai placé. Yeah. Du coup, on va faire le truc le plus utile qu'on fait. Aller sur le wiki de Sursingir. Alors, blablabla. Ce thermionique fabricateur, numéro Ça me stresse, Ok. ces vaches qui soufflent là. Il faut 2 Minecraft joules pour qu'il tourne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le truc le plus simple du monde. C'est qu'on On va va se faire un construire un deuxième. deuxième engine. Hein? Et Comme cramer ça. la moitié de notre charbon. Ben, je propose déjà de retirer le charbon qu'il y a dedans. Pour éviter justement de cramer tout notre charbon. On J'y va vais. l'éteindre le temps de faire le deuxième engine. Et forcément, je n'ai pas de redstone sur moi puisque j'ai tout laissé dans le moteur. Dans le thermionic fabricator. Donc on fait un piston. Je la ramène. Hop, un piston. Des cogs. Hop. Hop. Maintenant tu as de la redstone. Ouais, mais j'en ai plus besoin. Hop. Deux cogs. On met les cogs ici, on met ça. Ah bah forcément, maintenant j'ai pas de verre. Parce que je l'ai laissé dans le thermionic fabricator, mais il y en a ici. Hop, donc mon piston ici, du verre là. Hop, Contre, hop, on n'est pas hop. trop emmerdé par les mobs encore. Non, 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 bah c'est l'avantage d'être dans un biome Extreme Hills. Ils sont en général pas trop dérangeants. Voilà, donc j'ai un deuxième moteur. Effectivement, il faudrait qu'ils pop devant chez nous. C'est ça, c'est qu'ils ont pas tendance à descendre trop. Ah ouais, parce qu'il y en a un là-haut, Creeper, et il veut pas descendre parce qu'il est trop haut. Hé. Maintenant, comme ils ont un Pathfinder. Ce feeling qui est pas trop pourrave. Ouais. Voilà, donc on allume deux moteurs et deux moteurs, ça fait 2 Minecraft joules par tick pour le thermionic fabricator qui devrait se mettre à thermionic fabriqué. Ah, il se met à thermionic fabriqué. Tu Et vois le thermonique fabrique quoi? pour le moment du en fait, il va pas thermionic fabriquer beaucoup puisque je suis en train de j'ai foutu du bois dans les moteurs, ça aurait peut-être pas dû mettre ça. J'ai du colle. Ouais, remplace donc le bois par du vrai charbon. Il va fabriquer des. Il va thermionique fabriquer des copper tubes qui vont permettre de fabriquer sans thermionique. Donc de juste fabriquer ensuite les. Comment ça s'appelle ce truc? Le premier truc dont on va avoir besoin pour faire une ferme à blé, pour avoir de la nourriture. Wouhou! Ça devient Et compliqué quand même. voilà, 4 bronze trucs. Donc là, on a du petit liquide glace. Ouais, qui nous sert à faire des tubes, donc des electron tubes, des copper tubes, des electron tubes. Je pense qu'on va faire des tin tubes, parce que ça servira sûrement à un moment ou à un autre. Et on va faire des gold tubes, parce que ça nous servira aussi à un moment ou à un autre. Et Parce qu'on est voilà. riche, on est Ouais. riche comme ça, allez hop. Et on peut éteindre les moteurs. Et voilà. Ah, c'est cool. Et récupérer le charbon qu'il y a dedans. Hop. Voilà, donc du coup, maintenant on peut faire notre ferme. Donc, on retrouve la recette. Donc, il faut le sturdy casing qui est je ne sais pas où. Comment ça s'appelle ce que tu fais là? Farm. D'accord, c'est Sauf que facile. t'as pas un sturdy casing sur toi? Non. Ah, je suis quasi sûr d'avoir fait un sturdy casing. Bon, c'est pas grave. Ah bah oui, j'en ai Putain. fait un pour le thermionic fabricator, En forcément. plus, y a une ferme pour chaque type de truc. Ouais. Il y a une rubber farm, Ah zut. pumpkin farm, mushroom Il farm, faut qu'on farm. fasse un carpenter. Pour faire.
pour faire le small circuit machin truc. Ah oui, qui a l'air d'être super compliqué encore. Hop.